Êtes-vous tanné que vos enfants fassent des fautes à l'école? J'ai une offre à vous faire. Voici le tout nouveau crayon clean qui fait zéro faute. Lorsque vos enfants écrivent une faute, le crayon clean fait un son aigu que vos enfants entendront facilement. Le crayon clean permet à vos enfants de dire « Bye bye les fautes ». Les études nous montrent que des étudiants en littérature de l'UQAC l'utilisent régulièrement pour leurs examens de français. En voici la preuve. Avec le crayon clean, j'ai de très bonnes notes à mes examens. J'ai été très satisfait du résultat. Le crayon clean est tellement formidable que tous mes amis en veulent. Même la célèbre auteure India Desjardins utilise notre crayon clean. Écoutez ses commentaires. Eh oui, Thomas. Depuis que j'utilise le crayon clean, je ne fais plus de fautes lorsque j'écris mes livres. Mon éditeur n'a plus à engager de correcteur et mon patron est satisfait de ma grande compétence en composition. Vous voyez comme c'est super? Tout ça pour un temps limité, pour seulement 3 paiements faciles de 10$ et nous payons les taxes pour vous. Tout cela sans frais de livraison. Si vous commandez dans les 20 prochaines minutes, vous recevrez un deuxième crayon clean gratuitement de la couleur de votre choix. Nos téléphonistes attendent vos appels au 1-800-CRAYON-CLEAN. Faites vite! Du nouveau film, La princesse du royaume, qui sortira au printemps prochain. J'aimerais tellement aller voir ce film avec mes copines. Oui, allô? Allô, Sophie. Je viens de me brancher sur Internet et je viens de voir tous les produits du nouveau film, La princesse au royaume. Tu iras voir Lilia, le maquillage, les lits, la robe, les accessoires pour les cheveux. Wow! Parfait, Maud. Je vais voir ça dès maintenant. Et on se reparle pour aller voir le film au cinéma? C'est tellement à la mode. Salut. Et puis, papa a se réfléchi à propos du nouveau film. Oui, ma belle Sophie. En plus, je t'invite, toi et tes copines, à une sortie entre amis. Ah oui, c'est génial. Tu es le meilleur papa du monde. Maman, ce matin on est à l'école, j'ai vu une publicité super drôle sur l'autobus de ville. De quoi s'agit-il, mon chéri? C'était celle du tirage chocoscrut. Elle avait tellement bon, j'avais tellement envie d'y goûter. Moi, j'ai vu la mascotte Choconimo à la télévision et il disait que si tu trouves la boîte avec l'étiquette en or à l'intérieur, tu peux gagner une journée complète avec la mascotte Choconimo. Mon rêve! Justement, ce matin à l'épicerie, j'ai pensé à vous et je vous en ai acheté une boîte. Elles sont composées d'un bon petit matin nutritif et de fibres. Quand vous y goûterez, vous verrez le vrai bon goût croquant de réconfort. Merci, maman. Tu es la meilleure maman au monde. En plus, tu avais à l'intérieur d'avoir la surprise qu'il y a à l'intérieur. Une magnifique figurine de la mascotte Choconimo. Je vais pouvoir les collectionner. Choco sucré! Du plaisir plein à la boîte. Dans le monde publicitaire, il existe deux types de pubs. Celle qui fait penser et celle qui fait dépenser. Pour ne pas tomber dans les pièges, voici quelques trucs pour mieux comprendre. La pub qui vise à te faire dépenser est celle qui... t'incite à t'endetter ou demander à tes parents de te procurer des produits sans véritable besoin. T'incite à adopter des habitudes de vie néfastes pour ta santé. 3. Te laisse croire que si tu achètes ce produit, tu vivras dans la réussite, tu seras plus apprécié par tes amis et tu seras plus à la mode. La pub qui vise à te faire passer est celle qui... 1. T'incite à être prudent en matière de consommation. 2. Te transmet de belles valeurs de respect et d'entraide. 3. Véhicule
des qualités humaines comme la générosité et la justice. 4. T'encourage à adopter des saines habitudes de vie. 5. T'incite à consommer de manière responsable. Bien y penser. C'est maintenant à toi de jouer pour ne pas tomber dans la piège de la publicité. Oui! Moi, je m'appelle Manon. Je suis la maman à Amy. Depuis 8 mois, je combats contre le cancer du sein. La lutte contre le cancer nous tient à cœur. C'est pour cela que le 3 juin prochain, nous participerons à la marche de relais pour la vie. Notre équipe s'appelle les Pink Ladies. Alors, il nous faut amasser des dons. C'est pour cette raison que nous vendons des pots pour biscuits chocolat caramel. Chaque pot est vendu 7 $ et tous les profits seront versés entièrement à la Société canadienne du cancer. Vos dons iront entièrement à la recherche. Merci de nous encourager!